Bonjour à tous et à toutes, je suis Alus et bienvenue pour Breath of Fire 2. Comment, pourquoi, la décision, pourquoi commencer la suite de Breath of Fire 1, qui m'avait déjà bien ennuyé, tout va vous être expliqué pendant que la cinématique de départ que j'ai laissée s'affiche. Au départ, j'avais commencé Breath of Fire 2 il y a un an et demi, quand j'avais du temps, genre beaucoup de temps, c'est-à-dire au chômage, et une connexion qui était plutôt stable. J'avais fait ça en live vers le mois de mai 2018. J'avais fait deux sessions. Malheureusement, j'ai laissé traîner ça pas mal de temps, mais vraiment pas mal de temps. Et il se trouve que j'ai laissé ça en plan, mais complètement en plan. Et en faisant un peu de tri il y a quelques temps, je me suis dit, bon tiens, j'ai commencé Breath of Fire 2, je me souviens quand même que c'était plutôt cool, un peu moins compliqué que le premier, enfin ce que je pensais. Et pourquoi ne pas refaire, mais en changeant un petit peu de ce que j'avais fait pour Breath of Fire 1. Breath of Fire 1, c'était principalement beaucoup de farms, de voyages, de retours, d'avancements, etc. Pour Breath of Fire 2, si jamais c'est le cas, il y a plusieurs choses qui vont changer. Premièrement, je vais faire des sessions d'environ 50 minutes, 1 heure, que je vais ensuite monter, recondenser, accélérer si jamais il faut faire des voyages rapides, des retours dans certains villages. Skipper des choses, si jamais il y a du farm à faire, je ferai le farm mais ce sera accéléré, j'expliquerai voilà le temps que j'ai mis, ce sera énormément d'annotations, le temps que j'ai mis, l'XP, les objets, les pièces d'or, tout sera expliqué. Et j'espère que ce sera un petit peu mieux, que ce sera plus sympa. Du coup, maintenant que c'est expliqué tout ça, et aussi une dernière chose, je me suis mis de côté et je me réserve le droit d'utiliser une solution. J'ai une solution juste à côté de moi que je vais utiliser dès que je le voudrais. Évidemment, alors je laisse tout tel quel, les dialogues vont vite, le son en stéréo, la musique. C'est parti, je joue sur une version Super NES française avec une traduction assez on va dire bof, parce que je rappelle que la version GBA de Breath of Fire 1, c'était une meilleure traduction française de la version Super NES qui était traduite un petit peu à la volée. Sur ce, commençons. Et j'espère que vous apprécierez. J'espère aussi qu'il sera moins compliqué et que cette fois-ci sera qu'il sera possible de finir le jeu en ne faisant pas le 100%. C'était un des défauts du premier. L'œil. Je n'ai pas assez de puissance. Donne-toi Dieu. Prie Dieu. Loue Dieu. Tu dois devenir la force de Dieu. Qui était-ce ? Peut-être un ami de l'inexorable. Pense que c'était la référence de l'inexorable. Ah ! Hé ! Attends, Yoa ! Il est vieux ? Il est vieux. Yoa, c'est l'heure de ta sieste. Oh, elle m'a encore échappé. Jean-Marie Le Pen, Geller. Hé ! Lui. Alors, Ryu, Yasmin, Liu, viens par ici une minute. Et nous sommes Liu, viens par ici, voilà. Donc, je contrôle Ryu, incroyable. Alors,
Je vais essayer de réapprendre à jouer. Donc, Start Select, c'est ça. Ok, le bouton X pour le menu. Alors, je suis ma thune, mon expérience, mon niveau. Cette fois-ci, le nombre d'expériences est affiché juste en dessous, je crois. Donc, objet, je n'ai rien. Sort, équipement, stat, rangement, option et fin. C'est simple. Et puis, voilà. Je ne peux pas courir. Gunner vient de me faire chier. Yo a encore disparu. Je pense qu'elle n'aime pas faire la sieste. Lui, je t'en prie, trop vive. Non. Imbécile. Que feras-tu si Yo est en danger? Tu dois protéger ta soeur. Lui, je t'en prie, trop vive. Oui. Bien, je compte sur toi. Alors nous sommes dans une très belle église. Très très belle église en effet. Et alors remarquons quand même la qualité des musiques. La Super NES. Alors ça c'est pour boire je pense. La Super NES qui à l'époque était quand même dénigrée parce que oui, les chipset de la Super NES ne paraît pas de faire des belles musiques. Quand même, respectez-vous. Tu ne te sens pas seul sans ta mère? Salaud. C'est vrai? Il y a déjà 3 ans que ta mère est morte. Voilà. Je pense que tu ne vas pas pleurer éternellement. Wesh. Alors, le truc à gauche, à droite, je sais pas ce que ça représente. Tu es un grand garçon. Je sais pas ce que ça représente du tout. Ça doit représenter, je sais pas, la fin d'une conversation ou un truc. Ça a changé de couleur, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Tu ne dois pas sortir du village sans être accompagné d'un adulte. Je découvre des choses, laissez-moi découvrir. Il y a quelques années, lorsqu'un monstre attaquait ce village, un gigantesque dragon apparut sur les habitants. Ce dragon vit toujours ici, endormi dans les montagnes derrière. Ça, c'est pour la sauvegarde. Bon, on va un peu visiter au départ. Et puis nous partirons voir Yua, qui est sans doute parti tout à gauche, peut-être, possiblement. Oui, non, pas l'arbre. Est-ce que je me perds déjà? Possible. Ah bah là, dis donc. Le chemin, non. Non, le chemin, je sais qu'il y a un chemin. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Oh, incroyable ça. Incroyable. Yo ne va-t-elle pas toujours jouer dans les montagnes par derrière? Bah si, mais j'ai pas l'épée. Ah, Yo a disparu. J'espère qu'elle n'est pas sortie du village. Possible. Récemment, les enfants se sont fait passer par des orphelins. Et ils ont profité pour aller voler les églises. Dis au vieil homme de faire attention. Oui, monsieur. Père Gunner, au sujet de ton père, c'est un puissant magicien. Ouais, c'est le père Gunner. Quand celui-là, j'ai été capable de ça a été incroyable. Ah d'accord, il a juste été incroyable. Parfait. Ah bah là, par contre, je peux enfin enlever le truc. Fallait que je parle, ok. Il faut parler dans ce jeu. Ok. Les musiques sont très très belles cependant. Alors là, ça doit être un truc un peu énigmatique, je pense. Alors ça, je m'en souviens. Voilà. Donc là, on arrive sur une patte. Et ça nous donne un indice sur le chemin à prendre. Donc là, c'est une patte droite. Ce qui doit potentiellement dire que je dois aller un poil plus à gauche. Donc on va avoir, je pense, la tête, les deux pattes, et puis voilà. À moins qu'il y ait une autre patte. Ah. Et là, on est en couleur. Les couleurs, belles couleurs. Ryu a les cheveux bleus. Ne demandez pas pourquoi.
Alors là, il va falloir doubler tout ça. Ah mon dieu, un combat! Alors, le système de combat au tour par tour, on reconnaît bien sûr les fameux ennemis, déjà du premier. Donc alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ah voilà, alors déjà... Alors, soit je peux faire Dakoto, soit je peux faire attaque, soit magie, soit quelque chose, soit sort, ça doit être... je pense que ça doit être la super. Sort objet, avec RC me défendre, et avec L s'échanger, sauf que là nous allons attaquer. Alors, la spécificité de Breath of Fire 2, c'est que à chaque premier ennemi rencontré, vous n'allez pas voir ses points de vie. Mais c'est quand vous l'avez battu une première fois que les points de vie vont s'afficher. Donc là, je l'attaque. Voilà, je lui envoie un point de vie. Et lui va me latter les dents. C'est un combat scripté, à mon avis. Ouais, c'est un bon combat scripté. Voilà, Ryu est en défense. Et Zblé, 62 dégâts, fin. Qui était-ce? Qui, quoi, quand? C'était Gunnar. C'était dangereux, n'est-ce pas, Ryu? Tu t'es battu pour protéger Ryu, hein? Tu es courageux. Tu es une vilaine fille, hein? Pourquoi venir dans un tel endroit? N'est-ce pas? Et parce que je voulais voir Man. Ta mère? C'est vrai. Si je dors ici, ah c'est mon. Man vient dans mes rêves. Les enfants, voilà. Ta mère? Mais Yoa, je sais, Man est morte. Elle le sait jeune et elle accepte, c'est beau. Oui. Il y a longtemps, quand ce monstre attaqua le village, je ne réussis pas à protéger votre mère. Si ce dragon n'était pas venu à notre aide, je n'aurais même pas pu protéger le reste d'entre vous. J'ai mis très mal, hein, je m'en excuse. Je suis désolé, lui. Si seulement j'avais été plus fort, les choses seraient sûrement toutes différentes. Alors soit je dis oui, bien sûr, ou bien non. Pas vrai, connard enculé. C'est pas vrai. Papa, ça n'était pas ta faute. Voilà, je fais exprès de choisir une décision nulle. Tout le monde dans le village le dit aussi. Oui. Ils disent que toi et le dragon avaient sauvé le village de ce monstre. Quel était ce monstre? On sait pas. Tu as probablement raison, Yua. J'espère seulement que votre mère a pensé de même. Elle pense aussi. Le dragon me l'a dit. J'ai des problèmes. Merci, Yua. Ça va être ça si tu peux parler au dragon. M'en viens dans mes rêves. Ok, alors retrouve la maison et parlons d'elle. Tu dois aussi rentrer avant la nuit. D'accord. Tu rêveras peut-être le moment toi aussi. Voulez-vous fermer les yeux? Non. Connard, connard, ok. Donc là, j'ai sans doute raté des trucs importants, je tiens à le dire. Hein. Je ne fais pas... Il y a des choses que je ne fais pas parce que j'ai pas envie. Voilà. Donc là, je me crasse. Hein, évidemment. Alors, la prochaine fois, j'ai des trucs obvious, hein, promis. Mais je sais que, il y a un moment, normalement, j'aurais peut-être dû le faire, oui, je regrette actuellement mon choix. Non, ça ne sert à rien. Le dragon ne sert à rien. On retient. Je viens de regarder la solution, en fait j'ai rien raté. Tout juste raté l'œil. Point. Rien de bien ouf incroyable, ne vous en faites pas. Et là nous avons la couleur. C'est fou, donc du coup est-ce que je peux sauvegarder? Je ne peux pas sauvegarder. Dragon, saloperie. La saloperie de dragon. Alors... Père Hulk. Mais mon enfant, sois bienvenue à la maison de Saint-Évin. Tu es aussi orphelin, mais tu n'as rien à craindre.
Et l'église ne tournera jamais dans l'eau, un pauvre enfant comme toi. Même si tu es un voleur, tu es ici comme chez toi, et repose-toi. Je me repose comme ça. Ah non, d'accord, comme ça, ok. Ah oui, je suis orphelin. Et hop. Quel coin miteux. Je crois que je vais piquer ce chandelier. Hein ? Il fait nuit. Salut. Tu n'as rien à dire. Tu es comme moi, pareil. Alors là, il y a un truc à droite qui est devenu bleu clair. Je ne sais pas quoi ça sert. Tu es comme un pauvre gosse, se réfugiant dans une église, et tu piques tout ce que tu peux trouver de plus valable, pareil. Mais ce coin fait pitié. Nous devons trouver un plus grand village. Je vais voir ailleurs. Vas-tu rester ici? Bah oui, en fait, il y a ma sœur. Quoi? Tu dis que voler, c'est mal? T'es un gros con. Les orphelins comme nous doivent tout faire pour survivre. Dieu nous pardonnera bien si une petite chose qui est volée. Mais si tu ne veux pas venir, je n'insiste pas. Tu peux vivre tranquille dans ce petit village. Et prier Dieu. Un de ces quatre. Tu es con. Voilà, mais du coup, je vais... Ah, je savais bien que tu viendrais. Tu ne pouvais pas résister à ce vieux village, n'est-ce pas? D'ailleurs, les voyous comme nous ne peuvent pas vivre dans une église. Oh, il se passe un truc. Non, et Poche, enchanté de te connaître. Bosch a rejoint le groupe. Et voilà. Sauf qu'en fait, c'était une feinte, on va dormir, là, l'MDR. Et donc, on se casse. Voilà, des petits enfants qui volent dans un village. Qu'y a-t-il là-dedans? Ryu a obtenu un bambou. Ce serait pas une canne à pêche par hasard? C'est une canne à pêche bambou, voilà. Il fallait deviner. Il fallait deviner qu'il y avait une canne à pêche ici. Hein, bravo développeur. J'ai une canne à pêche maintenant, c'est trop fort. Oh, il fait nuit. Du coup, nous allons. On va voler, hein. On agit en tant que voleur maintenant. Regarde un peu, je teste des trucs, hein. Ça c'est pour la vie. Non, c'est pas pour la vie, très bien. Du coup on se barre. Hop là. Il fait nuit. Je ne peux toujours pas sauvegarder, ce qui est dommage. Et donc on quitte le village vers des nouvelles aventures. En disant au revoir à notre sœur. Voilà, et là je me barre. Y'a pas de musique, c'est fait exprès. Hein. Hein? Oh non, on dirait qu'il va pleuvoir. Waouh, voilà la pluie, quel déluge. Où pourrions-nous nous mettre au sec? Voilà. Ah, petite grotte. Hey, fais noir comme dans un four ici. Oh, le chandelier, je peux utiliser la bougie. Nous sommes prêts, en avant! Et là, nous sommes dans une caverne. Ah oui, je me souviens de ça. Ça, je m'en souviens, c'est pas ouf. Qu'est-ce que c'est? Bah, suivons-le. Alors, je ne sais plus la finalité de ce combat, hélas. J'ai fait que les deux premières heures, il y a un bon moment. Non, je vais pas aller là, je vais aller en haut. Non, ce n'est pas par là. Ah d'accord, tu m'empêches d'aller où je veux, toi. On continue, hein. On y va. De toute façon... Qu'est-ce qui pourrait être pire, MDR? Ah, ça y est. Alors, ce boss-là, je me souviens rapidement. Oh, c'est un monstre! Zbler! Tu prétends être élu. Tu prétends être l'enfant de la quête. Soit, alors prouve-le-moi. Voilà. Donc, deuxième combat scripté contre Barbaroi. Voilà, y'a plus rien. Allez, salut, au revoir. Combat scripté, hein, je le rappelle. Va, élu. Laisse-moi t'ouvrir la porte. Enfant élu, et là, tu connaîtras la puissance de Dieu.
C'est comme s'il sortait d'un long rêve. Mais son père et sa sœur ont disparu, et personne ne le reconnaît plus. Il rêve d'un horrible démon, lui déchirant le cœur et le corps. Mais cela ne demeure qu'un rêve. Mais la vision reste forte, enfouie au tréfonds de son esprit. Il entend son appel, un monde différent, un monde de silence, un monde de ténèbres. Il s'approche, sentant à la fois peur et joie de vivre. Il succombe et les ténèbres l'accueillent. Tu es l'élu, hurle le démon. Plongeant dans son propre cœur, il réalise que c'est la vérité. Alors la réalité s'efface et le rêve commence à prendre consistance. Le souffle de feu à deux. Dans la langue du Québec. Je n'ai aucun problème avec les Québécois, c'est juste marrant. Ainsi commence notre histoire. 10 ans après. Ça fait beaucoup. Une décennie quand même. Ancien, donnez-nous du travail. Nous sommes expérimentés maintenant. Ah non, ils ont cru, c'est vrai. Oui, je sais. Oui, c'est sûr. Voilà un travail pour vous. Tiens. Ah, voyons voir. Quoi? Trouver un animal? Tu veux pas le faire? Bien sûr que non. Un boulot aussi stupide. D'ailleurs, qui peut bien être assez stupide pour perdre un animal de compagnie? Monsieur? Ce sont les hommes qui vont chercher mon animal? Je fais très mal les voix féminines. Oh, Mina! Eh bien, il semblerait qu'ils ne veulent pas de ce travail. Un instant! Avec qui donc, Aïssa? Mina! Tu peux compter sur moi pour retrouver ton animal. Bien, merci beaucoup. Ancien, laisse-nous faire et tout ira pour le mieux. Bon, je vous laisse dans ce cas. Je vous en prie, retrouvez ma Suzy. Je vous verrai plus tard. Ancien, laisse-nous faire. Nous serions si heureux d'aider une si jolie fille. Tu as même calculateur. T'es trop con. Bien, faites de votre mieux. Waouh, je suis tout excité maintenant, et pas que le Bonfroc. Allons-y. Lieu. Quittons ce village et renseignons-nous. On va quand même parler ancien. Si vous trouvez son animal, vous aurez 500 zénis en récompense. Faites de votre mieux! Des gros cons, puis paysans, n'importe quoi. Salut, Ryu! As-tu trouvé des renseignements au sujet de ton père? N'a-t-il pas disparu il y a longtemps? Ah, si nous apprenons quoi que ce soit, nous te le ferons savoir. Le travail d'un ranger n'est pas toujours aussi simple. Rechercher un animal, ce n'est pas si mal. Il y a des gens qui viennent pour qu'on nettoie leur maison. Voilà la vie des rangers, nous sommes des rangers. Vraiment, un ranger, c'est commode.
laver, repasser, cuisiner, on peut tout leur demander. Un ranger doit faire un peu tout. Ils ont toutes sortes de tâches. Mais je ne voudrais pas avoir à faire des choses aussi étranges. Regarde, c'est dégueulasse. Et donc nous sommes dans le village, que voici, autre village, la guilde des rangers en bas. Eh oui, des rangers, des rangers. Il y a beaucoup de monstres au nord de ce village. Je ne sais pas ce que vous recherchez, mais je vous suggère de ne pas aller au nord. Ah, bah dis donc. Faut un petit peu d'exploration, bien sûr. Pour découvrir un petit peu tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Tel que de l'eau. C'est froid. Yes, merci, Capitaine Obvious. Alors, on va tout fouiller. On va vraiment tout fouiller. Alors, il n'y a pas de touche pour courir. C'est le... Ah oui, alors avec elle, je peux switcher de personnage parce que la spécificité de Breath of Fire, c'est que chaque personnage a une capacité dans le dans la world map qui est très différente. Je me souviens que Bo avait la capacité de traverser la forêt. Ce que ne pouvait pas faire n'importe qui. Voilà cette magnifique cheminée. Il n'y a rien. Voilà. Et là, il y a quelqu'un. Propriétaire. Oh, lui. Travaillez bien. Et payez votre loyer. Donc, là où nous logeons, sans doute, même probable, même sûr et certain. Il n'y a rien. Est-ce que j'ai toujours ma canne bambou? Est-ce que j'ai toujours ma canne? J'ai toujours la canne à pêche bambou que j'ai trouvé quand j'étais gamin. Et ça, je suis certain que ça aura une utilité. Un jour. Un jour. Possiblement un jour. Ouais. Ma mère dort toute la journée. Je m'ennuie. On va aller voir ta mère. Voilà, elle dort. Voilà, je le ferai qu'une fois ce jour de bruit par contre. Merci de respecter ça. Là, il y a une poubelle. Alors, la poubelle, toujours utile. Voici notre chambre. Ah, c'est pas grand chose, mais il y a un lit pour se reposer. Donc là, on nous fait comprendre le lit. Voilà, c'est gratuit. Je peux pas fouiller la poubelle. Oh, je peux pas fouiller la poubelle. Qu'y a-t-il là-dedans? J'ai obtenu 100 balles! 100 balles! C'est mouillé. Voulez-vous aller dormir? Alors non, je n'ai pas besoin de dormir. Je vais juste vérifier un truc, mon équipement. Donc là, j'ai un couteau là, un bracelet, bandana, casque, ok. Et là, j'ai un arc, donc distance. Ah, donc j'ai des ça doit être des affinités, les couleurs. Possiblement, je ne suis pas certain. Parce que, aussi, Breath of Fire, en fonction du personnage que vous, avec lequel vous parlez, des dialogues se mettront en place, spécifiquement. Breath of Fire 1 est très compliqué. Et le 2 l'est tout autant. INN, donc l'INN... dans tous les jeux, l'INN, c'est bien sûr pour se reposer, mais rien ne m'interdit d'aller fouiller. Tel que ici, il n'y a rien. Ah, moi, je suis le croire de première. Bonjour, messieurs. Bonjour, je fouille. J'ai obtenu un antidote, très sympa. Donc là, c'est voilà, c'est une as. Ici, aime se promener partout et va souvent loin. Un indice, chez vous, à la maison. Et comment il passe? Notre ajout devient difficile à cause du nombre croissant de monstres. Dois-je faire appel au ranger pour nous guider? Je sais pas pourquoi je lui fais une voix pareille. Je trouve ça juste marrant. Ça, c'est le shop des objets, donc les objets. Et là, le stock, très utile le stock en cas de Game of Thrones. Et bienvenue au bazar, que puis-je pour vous? J'ai 105 balles, donc je peux acheter une herbe. Donc on va prendre deux herbes. Antidote, un verre pour la pêche, je vais prendre un verre, tiens, et là c'est d'autres trucs pour la pêche, une canne à 300, je pense que je la prendrai parce que je suis certain que ce sera utile, à un moment ce sera utile, obligatoirement, sûr et certain, et là nous avons les équipes, le vieux, quand mon grand-père était petit, il avait une ville au-delà du mont Futabi, je sais pas ce qu'il y en est maintenant. Pas le vieux, merci. Ah, là par contre il y a une sauvegarde, merci. Donc là, le shop d'armes, est-ce que je peux acheter des trucs ou m'améliorer? Alors normalement, ouais, voilà. Le problème qu'il y a avec la version
Enfin, la version Super NES, c'est que lorsque vous achetez des trucs, on ne vous dit pas si c'est supérieur ou inférieur pour votre personnage. Donc là, équipement, si je prends Ryu. Alors, 20 de défense, 22 de défense. Donc, je vais mettre un Ryu, je vais l'équiper avec la calotte, qui est donc un point de défense au-dessus. Un point de défense, c'est toujours ça de prix au départ. Alors, il y a encore des gens curieux qui veulent prier pour moi. Et rarement, tout le monde prie Saint-Eva. Personne ne s'intéresse plus au dieu dragon. C'était si agréable avant. Oh, je suis désolé. Ouais, quand on devient mieux, on a tendance à se plaindre. Voulez-vous me raconter votre voyage? Donc, les statues de dragon pour le sauvegarde. Ok, je l'ai enregistré. Allez, vous continuez votre voyage? Donc là, c'est... Veux-tu arrêter? Oui. Soyez prudent. Et là, je vais sortir du village. Voilà. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va commencer une phase de farm. Mais d'abord, je ne résiste. J'ai envie de faire un petit peu de canne à pêche. Si je peux, un moment. Alors ça, c'est un truc un peu optionnel, un peu nul. Ils ont dit que c'était un étrange animal. J'ai l'impression que c'est un peu douteux. Cette fête foraine va faire le tour du monde. Et nous allons ensuite à Ventia. Veuillez payer au guichet live, venez par ici. Oh, venez voir, c'est le seul endroit au monde où vous pouvez voir l'homme herbe. Le prix est seulement 30 zénithes. 30 ! Achetez ? Non, merci. En fait, c'est une énorme connerie. Vous ne savez pas ce que vous manquez. À la limite, pour le fun. J'irai voir, mais on va attaquer une bonne farm de... Une bonne session de farm, en fait. Voilà, parce que nous sommes niveau 1. Comme vous le voyez. Ah, c'est ça, c'est un cri. Alors attendez, je teste des trucs. Donc le cri, ça fait, ça me donne un point de vie et vise me donne, c'est une sorte de critique visée. Ah alors ça, c'est assez spécial. Sur certains points de la map, comme dans le premier, il y a des éléments qui peuvent apparaître et disparaître. Donc allez, avant c'était soit les chevreuils qui apparaissaient et disparaissaient. Et il fallait chasser le chevreuil. Là, c'est des herbes. Les herbes qui me donnent accès à des zones spécifiques, j'ai l'impression. Sauf que, bah. Il me faut les bons personnages. Et comme vous le voyez, c'est pas le cas actuellement. Alors, je sais que lui, il a un arc, il y a une touche pour. Voilà, tirer. Donc, c'est pour attraper le gibier. Il tire quand même pas mal, beau. Donc, c'est le seul truc que je pourrais faire. Alors, il s'appelle Bosch, hein, mais je très probablement le renommer beau. Donc là, on va faire une phase de farm qui va être plus ou moins longue. Et on va explorer un petit peu la world map. Ah, alors là, déjà, attaque surprise. J'ai l'initiative, donc. Vous voyez, j'ai le point de vie du gobelin parce que j'en ai battu un. Mais le dobule, je ne connais pas. Donc je vais attaquer le dobule et beau va attaquer le gobelin avec visée. Ou alors il va attaquer une personne au pif. C'est donc le dobule qui est mort. Voilà. Là c'est vraiment tout le but en fait de cette première vidéo. Alors, spoiler, je me souviens qu'il faut aller là. Voilà. Voilà, faites attention aux truands. Donc pour le moment on va essayer d'augmenter au moins jusqu'au niveau 3 voire 4. Oh la vache, ouais. Donc là déjà je suis un peu dans la zerme. Et il m'a mis une riposte. Oh là, ça sent le décès, je vous le dis. J'ai pas de sort. Attaque et vise. Vais-je avoir accès à mon premier game over? Très probable. Coup fort étant un critique, c'est de la merde, je suis mort. Merci, au revoir. Vous voyez à quel point ce jeu est extrêmement compliqué dès le départ. Au moins on est au courant, soyez prudents. Et donc il me semble que j'ai perdu soit des objets et la moitié de ma thune. Par exemple si je prends objet, bah non je les ai gardés. Mais j'ai perdu la moitié de ma thune. Ce qui est quand même pas mal, hein. C'est pour ça qu'il va falloir pexer comme un salaud dans la première zone du jeu qui est celle-ci. Ça va être un petit peu long, donc du coup je vais accélérer ce moment jusqu'à obtenir un niveau acceptable et je vous reviens juste après.
Ah, voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, il y a des animaux. Donc là, on va essayer de le shooter. On va essayer de le shooter. Hein. Ah, le gros animal, tout ça, on connaît. Ah ouais, par contre, c'est super aléatoire. Ah, il s'est barré. Saloperie. Bon, voilà, je pense que là, j'ai plutôt un bon farm, vous voyez. Alors, j'ai passé environ, je dirais, entre 5-6 minutes, c'était assez rapide. Donc là, j'ai tout mon niveau 3, après, c'est extrêmement long de farmer. Mais je pense avoir atteint le niveau qu'il faut pour la zone juste en dessous où je suis mort comme un gros caca. Et où, enfin, la zone plutôt où j'ai fui. Donc du coup, j'ai appris un circuit jour nuit, tout mon niveau 3. Et Beau a appris anti-poids qui guérit. Et ça, c'est cool. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller à la ville me soigner dans un premier temps. Oui, bonjour, cherchez-vous quelque chose hein. J'ai vu un homme étrange près du mont Futebi au sud. Cela vous est-il? Donc là, ce qu'on va faire, c'est deux choses. C'est numéro 1, se soigner, dormir. Et numéro 2, voir la foire. Pour, dans un premier temps. Et puis on se laissera pour cette première vidéo qui est donc qui sera donc la première de Breath of Fire 2. Pour le moment, bon, j'ai eu une première mort, mais c'était une première mort voilà, un peu débile. C'est juste que je suis pas allé où il faut. Et donc la nuit est en gratuite, tout récupéré, tout le monde est beau, tout le monde est fier. J'ai aussi essayé de faire de la chasse. Je ne sais, je pense que je montrerai, mais c'est compliqué. Non, je pense que je ne montrerai pas, mais ouais. J'ai mis un coup au chevreuil, je crois que c'était un chevreuil, mais c'est compliqué, compliqué, car ils peuvent sortir de l'écran. Du coup, nous allons aller au chapiteau, et vous allez voir l'arnaque que c'est. Il faudrait aussi que je retrouve comment on pêche. Donc là, vous voyez, oh là là, incroyable, Transini, oh, venez voir, c'est le centre au monde où vous pourrez voir l'homme herbe. Transini, on achète. Voilà, merci beaucoup, et on y va. À cette fête foraine, on va faire le tour du monde. Non, c'est pas toi, c'est ton pote à côté. Bien, veuillez passer. Donc, on passe derrière, évidemment, parce que je me suis trompé. Et alors là, c'est un dégringolade, vous voyez. Il me crache dessus. Ah, c'est vraiment mieux. Oh, nous devrions aller à Corsair pour contrôler le combat, au lieu de ça. Oh là là, c'est vraiment de la merde. La merde en barquette, et oui, un dromadaire, hélas. Un drôle putain de dromadaire, la fille. C'est n'importe quoi. Allez, au besoin de nourriture pour tortue. Une ration pour 4 zénith. Allez, on y va. Allez, merci. Alors, la ration pour tortue, est-ce que c'est vraiment une ration pour tortue? C'est un verre. Les verres que l'on peut acheter et qu'on peut garder. Donc, on va y aller. On y va. On va voir. Eh. Connasse. Eh, voulez-vous nourrir la tortue? Oui. Lui, non, ça nourrit la tortue. Elle est contente, je crois. Je crois qu'elle est contente et c'est tout. La nourriture de tortue, n'est-ce pas des vers? D'ailleurs, ça me rend malade. Voilà, et donc c'est tout. Enfin, c'est tout, non. Là, il y a une cage, hein, la cage de la tortue, sûrement. Deuxième salle. Alors là, oh là là, je sens que ça va être la fête. Ça va être la fête. Ça va être n'importe quoi. Deuxième échoppe, évidemment. Qui suis-je? Aussi dur que l'acier, je fonctionne par essence. Pour l'un, donne une chambre. Pour l'autre, apporte un destin funeste. Soit. Ah! C'est une énigme. Zou, c'est aussi dur que l'acier. Ah, mais oui! C'est la soie, je pense. C'est faux non plus. Moi, bon, je m'en fous, je réessaye jusqu'à ce que je l'ai. Mais tu niques ta mère? C'est une énigme. Qu'est-ce qui pousse du sol, même si vous coupez? Ah, c'était le cheveu. Et voilà, ça sert à rien.
fils détruit les montagnes pour être ici en poussant les châteaux. On va voir. Putain, mais ton visage du con. Ton visage, sac à merde. Bon, voilà, c'était inutile. Et alors là, c'est l'arnaque. Vous voulez voir un solide en à l'intérieur? Venez jeter un coup d'œil. Attention, ça va être très rapide. Je vous le dis. Voilà, c'est tout. Ok, c'est bon. Est-ce que ça vous a plu? Un lomer, bah, avait-il peur? Si vous voulez bien retourner le voir, demandez de l'argent à vos parents. Et revenez. L'arnaque est présente. Ok, c'est bon. Est-ce que ça vous... Voilà, donc ça sert à rien. Ah, si vous voulez, voilà, voilà. Donc, c'est l'arnaque. C'est un petit peu une, j'ai envie de dire, une référence aux fêtes foraines. Hein, je trouve. Voilà, et donc, le chapiteau, comme vous le voyez, grosse arnaque. Est-ce que je peux pêcher, moi, cependant? J'aimerais bien pêcher. Équipé d'une canne à pêche. Ah, je suis équipé d'une canne à pêche. J'aimerais bien pêcher. Non, je peux pas pêcher. Ah, je suis triste si je ne pêche pas, sachez-le. Je ne peux pas pêcher ici. Dommage. Pourrais-je pêcher autre part Maybe un jour, peut-être. Sur ce, on va s'arrêter là. Je fais ma petite sauvegarde. Et puis, voilà. Merci, en tout cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, cette suite de Breath of Fire. J'essaie de faire mon mieux au montage pour que ce ne soit pas trop chiant. Mais j'espère que le résultat en vaudra la peine. Quoi qu'il en soit, je continuerai ce jeu et puis on verra ce qui se passera. Merci d'avoir regardé, pose le commentaire si tu as des suggestions, évidemment, ce que tu penses du jeu. Je t'invite à t'abonner et activer la cloche, je pense que tout le monde le dit. Si le contenu t'intéresse, si tu veux voir la suite, d'ailleurs je t'invite à aller regarder le contenu. Si jamais tu es tombé sur cette vidéo par hasard, je fais plein de trucs et c'est cool. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.